Bonjour, et nous voici pour une nouvelle vidéo. Je vais aborder le sujet de l'initiation. Beaucoup de gens, de membres, d'aspirants spirituels, ont une fausse idée sur ce qu'est l'initiation, voire des incompréhensions, des inepties, et j'en passe, et des meilleurs. Ainsi, sur Internet, on peut voir des stages, initiation chamanique par exemple, un stage de 48 heures, comme si on pouvait être initié au chamanisme en 48 heures, alors qu'il faut vivre au moins un minimum d'un an chez le chaman ou la chamane. À ce sujet, je vous invite à voir le livre ou le film de Corinne Sombrune qui a été initié justement chez une chamane en Mongolie. Elle a dû vivre pendant un an et retourner chez la chamane plusieurs fois dans les années qui suivirent. Alors qu'en est-il de l'initiation dans un enseignement ésotérique ? Là, c'est pareil. Des personnes me disent « je veux » comme si c'était un dû. On n'a pas à dire « je veux » et encore moins à exiger d'être initié. Un parcours initiatique, c'est un enseignement et une pratique de chaque instant qui concerne en des exercices spirituels que l'on doit accomplir tous les jours, régulièrement. On doit également travailler sur nos pensées, nos défauts, nos qualités, nos désirs et nos intentions cachées. Et ce n'est qu'après des années et des années que l'on pourra prétendre à vouloir être initié. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un dû, ce n'est pas une obligation. C'est par le développement de nos capacités, par la pratique régulière de nos exercices, que nous pouvons être initiés. Et non pas en lisant un livre ou deux. J'ai un membre dans mon groupe, heureusement ça ne se produit pas souvent, qui me dit « j'ai lu un livre sur la Rose-Croix et je veux être initié ». Mais alors c'est du n'importe quoi. S'il suffisait de lire un livre pour être initié, eh ben, les initiés ils voleraient comme les hirondelles, il y en aurait plein. Non, faut être sérieux. Initiation chamanique, initiation en 48 heures, initiation dans les loges, bon, ben, tout ça, il faut avoir les pieds sur terre. Si on a la tête dans les étoiles, gardons les pieds sur terre, parce que c'est pas possible autrement. Donc je vous enclins à suivre des enseignements spirituels authentiques, il y en a, heureusement. Consultez également mes vidéos sur YouTube que j'ai mis sur l'initiation, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle n'est pas. Et méfiez-vous des stages, même gratuits, sur un week-end ou deux, qui disent « vous initiez ». Personne ne pourra vous initier si ce n'est que vous. C'est vous qui, par vos exercices, votre assiduité, vous rendrez accessible à être pouvoir initié. Un jour, votre lumière intérieure brillera et attirera automatiquement un instructeur qui vous dira comment faire et continuer sur votre chemin. Donc, sur Internet, il y a de bonnes choses, bien sûr, mais il y en a aussi beaucoup de mauvaises, de fausses informations, et être initié en 48 heures. Alors là, autant mettre des distributeurs dans les supermarchés, et voilà, une initiation à 40 euros, la deuxième initiation à 80 euros, la troisième à 150 euros, et voilà, et puis tout le monde sera initié. Voilà, c'était une toute petite vidéo.
Et je vous dis à bientôt. Bye bye.